Bonjour, je m'appelle Arnaud Jussaume et je suis assistant enseignement artistique à l'atelier bois. On est deux assistants sur l'atelier, ce qui nous permet d'être ouvert tout le temps. Donc quand je ne suis pas là, donc il y a Rémi qui est là. Ce sont les machines typiques de menuiserie. Donc on a la scie à panneaux, on a une scie sur table, une scie à format qui nous permet de débiter des pièces un petit peu moins importantes. On a une scie à ruban, donc qui est encore une scie, on scie beaucoup dans le bois. Et on a aussi le nécessaire pour dégauchir, raboter, couper de longueur, poncer, profiler, donc tous les outils communs qu'on trouve dans n'importe quel atelier de menuiserie. L'étudiant vient, se présente son projet et on l'accompagne, on lui donne des solutions techniques éventuellement ou des domaines de recherche pour affiner le projet. Et quand le projet est prêt à démarrer, quand on a choisi le matériau, quand on a choisi la technique qu'on allait appliquer, on commence la production à l'atelier avec le matériau qu'on a ici. Donc l'étudiant intervient dans la mesure de ses capacités, de ses compétences. Selon son avis, ses compétences et le projet qu'il aura développé, il se peut qu'il, par la suite, décide d'orienter son travail plutôt vers le bois, ce qui peut arriver. Surtout dans le design, on a déjà vu dans l'école des étudiants qui sont passés ici et qui sont maintenant installés et qui conçoivent et réalisent leurs produits en design et en agencement.